Previously, on... Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Et bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, quelques jours plus tard, après la dernière vidéo sur Pokémon Legend Arceus. Je l'ai écouté ce con, hein. Il m'a dit « Pars à la rencontre de tous les Pokémon ». Bah c'est ce que j'ai fait. Alors attention, cette vidéo contient du spoil du contenu fin de jeu, du contenu de Pokémon Legend Arceus. Parce que sauf surprise en cas de capture d'Arceus, voilà, je les ai tous rencontrés les Pokémon, j'ai vu toutes les formes alternatives, tous les nouveaux Pokémon qui peuvent être présentés, etc. Voilà. J'ai complété également le Pokédex. Parce que donc, sachant que voilà, bon, pour le Shiny Hunting, il faut compléter au moins le Pokédex au niveau 10 pour avoir le charme chromatique. Et une fois que t'as fait ça avec tous les Pokémon, bah du coup, t'as le charme chroma. Du coup, avant de rencontrer Dieu, j'ai décidé de faire ça au niveau 10 avec tous les Pokémon. Donc voilà, donc avec tous les Pokémon, c'est au moins au niveau 10. Voilà, et là, on a le nouveau Pokémon... complètement nouveau, qui n'est pas une forme dissuite. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais tenter Arceus. A priori, c'est un combat de boss. Donc j'ai pris une équipe. Alors, le truc... le problème, c'est que dans ce jeu, j'avais pas d'équipe, moi, en fait. Enfin, mon équipe... je vais vous montrer, mais juste après. On va juste se casser de là. Hein. Bon, j'ai pris un Manaphy au pif, parce que bon, pourquoi pas. Mais... voilà, mon équipe, c'est mon starter qui a évolué. Hein. Donc voilà, la forme d'issue, la forme dépressive de Typhlosion. Par contre, faudra que je vous montre. Faudra que je vous montre parce qu'en baron, il est incroyable. Ensuite, on a la forme dépressive de Muplodocus. Un Pokémon qui respire la joie de vivre. Après, j'ai pris mon traumatisme, à savoir Motisma. Parce que je le déteste, mais bon, pourquoi pas. Scorvol. En fait, faut savoir que voilà... non, mais calmez-vous. Muplodocus, Muplodocus, Scorvol, Motisma, je les ai pris un peu au pif, et Manaphy aussi. Mes deux Pokémon de l'aventure, c'était Typhlosion. Et Première Dan, qui est Hippo... Hippopodocus, je me rappelle jamais du nom de ce Pokémon. Mais qui donc il y a un Shiny, qui est le premier Shiny que j'ai trouvé. Au pif. Sous sa forme petit, sous Hippopotas, mais voilà. Du coup, comment vous dire que les combats de fin, ils m'ont fait drôle. Mais on est parti. On va rencontrer le dieu des Pokémon, tout simplement. On va rencontrer Dieu. Je me rappelle plus. Allô? Bon, en vrai, faut que je le fasse manuellement, j'imagine. Ah oui, alors oui, j'ai pris de quoi me préparer au combat. Au cas où. Mais voilà, bon, mon vrai staff, il est là. Hein. J'ai... voilà. Mais effectivement, j'ai pris de quoi me préparer au cas où. Non, ça. Bah non, mais... allô? Ah bah voilà. Votre flûte azur émet un son. Bah let's go. Let's go. Thank you.
Et B, un escalier de lumière apparaît. Ouais, on va vraiment rencontrer Arceus, quoi. On va à la rencontre. Moi, je pensais qu'il viendrait à nous. Non, non. Que dalle. Il bouge pas de son trône. Bon bah ok. Ravi de te rencontrer aussi hein. Visiblement t'es pas très pacifique. Ah c'est ce genre de combat. Merde. Yes. Oui non mais... Ok. Il fait quoi? D'accord. Oh, j'aimais pas ça avec ses racrolls déjà. Bon bah très bien. Hein. Non, bah oui, non mais... Le bourre pas. Hein. Ça vaut pas le coup. Non, ok. Mais non, mais qu'est-ce qui... Pourquoi il a changé? Bon, on a dit, on va devoir recommencer. Hein. Ah, j'ai pas sauvegardé en plus avant, je crois. De la chance, hein. D'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Je vais tellement mourir. Oh, le timing était impeccable, hein. GG Arceus. Ouais, vous êtes hors jeu. Que souhaite... Oui, d'abord, on recommence. Bon, ça, on peut recommencer direct. Hein, c'est pas comme le combat contre l'autre boss de fin. Je vais pas le dire pour pas... voilà. Déjà que je fais une vidéo, bon, hein, évidemment, mode full spoil sur la fin du truc, là, du jeu. Mais bon... Oui, non, pardon, il faut jouer. Ok. Mais ouais... Bon, ça va le faire. En vrai, ça va le faire. C'est un combat là, c'est racroll. Ah, l'arcanin. Au secours. Bon, ça, j'aime pas par contre. 1, 2. Non, esquive ça. Ça, à chaque fois, j'ai envie de grid. Hein. C'est terrible, hein.
Bah oui, bah bien sûr. Ah, il refait. Ok. On va attendre, voilà. Allez, on va se faire chier. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, non mais ça c'était marrant ça. Ça j'aime bien. Et ça j'aime moins parce que là tu vas me dash dash je crois. Allô? Allô? Bah vas-y. T'es pas drôle hein. Oh, on s'amuse bien. Ah ouais. Bah, sachant que le dash dash... Le dash... Dash dash. Ok. Non mais il faut que j'arrive à le toucher. Allô? Allô? Ah, ah ouais, ah bah bon, au revoir. Au revoir. Ok, ah ouais, sympa le fight. Hein. Bon, évidemment, on pourrait tricher, mais on ne va pas tricher. Mais voilà, le jeu te permet de tricher, si tu veux. Enfin, ou de pas t'emmerder. Mais bon, j'ai pas signé pour ça, moi j'ai signé pour m'emmerder. Si ça doit prendre une heure, je prendrai une heure sur Arceus. Je veux dire, bon, voilà, je fais des Valkyries sur God of War. J'ai fait des challenges. J'ai fait Kingdom, les boss secrets de Kingdom Hearts 3. D'un moment, bon. C'est pas Arceus qui va m'arrêter, quoi. Aïe. Ça, j'aime pas. Hein. Ça, vraiment, par contre, j'aime pas. Hein. Par contre, y'a pas un moment où je peux sortir mes Pokémon? Ce serait sympa ça. Bah ouais. Non mais je prends des dégâts trop bêtement. Au secours. Ok. Et phase 2. Non mais bourre, 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 bourre. C'est le moment où il faut bourrer. Et là, voilà, et là, c'est le moment où... Non, on n'aime pas. Ok, j'ai réussi à esquiver. Oh non, 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 c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Ok. Est-ce que là, c'est le triple invocation ou pas encore? Non. Ok. Je crois que je commence à avoir le timing. Ouais, là, ça va être le triple invocation. Allô? D'accord. Ok. Ok. Allez. Je m'attendais à ce que tu sois niveau 100, ouais. Hein. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit niveau 100. Mais bon, la plénitude, ça fait pas plaisir. Bah, piège de rock, hein. Ouais. On va commencer piège de rock, style rapide. Ah ouais, moi, je m'attendais limite à un combat où il changeait de forme. Bah, voilà, genre, comme par exemple, comme ça, quoi. Mais que ce soit vraiment un combat contre toutes les formes d'Arceus, limite, quoi. Sympa, tech. Non, le défense drop, non. Rip. Au revoir, première Dan. Arceus s'est débarrassé de débris.
Bah écoute, reprends-en, hein. Je pense que tu pourrais en reprendre. Bâtard. Ah bah, rip Skormel, rip. Quoique, peut-être qu'il tank en... Non. Je me suis dit, sur un malentendu, il a quand même des bonnes défenses et tout. Non. Il est type glace, là. En vrai, bon... C'est vrai que j'ai pas d'attaque assez sur une Podocus. Bah vas-y, hein. Non, mais il attaque deux fois en plus, parfait. Voilà. Bon bah. Allez. Non mais oh, le mid-bar là. Je vois qu'il est coincé au mid-bar, hein. Ah ouais, bah j'ai spammé. J'ai spammé, fallait pas. Bah ouais, mais... Sale bête, hein. T'es vraiment une sale bête, hein. Non! Et non, j'ai pas reculé au bon endroit. Aïe aïe aïe. Ouais, j'aime pas ce pattern là. Ah. Dommage. En vrai, je vais pas hésiter à faire des roulades dans cette phase là. Parce que voilà, c'est quand je me colle trop à lui que je me mets dans la merde. Voilà, là, exactement comme ça, quoi. Ah, je sais pas s'il en fait un nombre prédéterminé de ronds. Bah ouais, mais non, mais je savais en plus. Donc il en a fait un, deux. Trois. Cinq, je crois. Je crois qu'il en fait 5. Un. Quatre. Six. Mais quoi? Non, mais non, mais... Mais vas-y, quoi... Non, vraiment? Bon, bah... Il m'a jamais fait ça. D'accord. Fais des nouveaux patterns. Ça commence bien. Bâtard. Bon là du coup il est type feu. Type feu, moi, de type plante. On peut tenter ça. Thank you.
Ça l'aura tué par extension. Par contre, le problème, c'est que je suis dans la merde niveau vie. Ça changerait au fait que je sois dans la merde niveau vie. Bah ouais. Je plonge dedans, quoi. Et oui, bah oui. Mais ok, donc il a d'autres... Si jamais tu mets trop de temps à lui faire la première phase, il te défonce sur la deuxième, ok. Enfin, il te donne une opportunité. En vrai, ouais, tu peux tempo du coup à mort et régler ça quasiment qu'avec tes Pokémon, hein. C'est une strat. Direct les embrouilles. Oh vas-y. Je pensais que j'avais le temps. Allez, un coup, super. C'est pas mal là. C'est pas mal ça. Allez, boum 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 boum. Bouffe, bouffe, bouffe. Oh, t'as kiffé là. Oh, t'as kiffé hein. Oh ouais, t'as kiffé hein. Oh, t'as kiffé là mon gars hein. Ouais, t'as kiffé ouais. 1, 2. C'est bon. Ah mais là il est pas content là. Ok. Ah ouais il était pas content ouais. Putain le... Il a fait vite quoi. Allez on va pouvoir faire ça, un truc normalement. Non. 1, 2. Je pensais qu'il allait charger là. Bâtard. Ah vraiment. Je voulais esquiver hein. Mais il a pas voulu. Allez. 1, 2. Au secours. Non. Voilà. Oh la. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh c'était tellement vicieux son attaque là. Enfin je m'y attendais pas quoi. J'ai mis trop de temps à réagir. Bon allez. Oh c'est la merde. Il me touche une fois je suis mort quoi. Ouh. Il est vraiment sympa le combat. Hein. En tout cas j'aime beaucoup. Bon allez piège de rock. Par contre ah ouais mon équipe a été full soignée. Oh mais c'est craqué. Ah ça... Oh, c'est dommage ça par contre. Ah ouh. C'est la première phase de combat sur ce truc là. Et j'ai oublié. Peut-être la première fois que je le combat là. Mais ça me paraît bizarre. C'est peut-être possible, j'ai peut-être tellement enchaîné que c'est la première fois que... Peut-être. Bon, par contre là, lui, il m'enchaîne. Hein. Lui, il n'y a aucun souci. Aucun mind game. Bon, on va continuer avec Nuplodocus parce que... On est pas mal en vrai.
Bah, le type sol. Type sol, je sais pas trop ce que j'ai pour contrer ça, moi. Ouh, ça fait mal. Ah, il a perdu le poison d'un coup. Après, je mâchais en même temps, mais... Petit Draco Météor. J'ai pas vu l'animation, en plus, de Draco Météor. Ça me fait plaisir. Allez, let's go. Allez. Allez, 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 allez. Ouais, non, mais c'est bon. C'est bon. Easy. EZ. Mais je crois qu'on va en vrai. Je crois que c'est la première fois que je le battais sur cette phase-là. Bon, bah, ça va. Ça aura pris moins de temps que ce que j'aurais pensé. Tu es parvenu à rencontrer tous les Pokémon. Tout rêve est à portée de celui qui persiste à y croire. Le succès de tes actions en est la preuve. À l'image du héros des temps anciens et de ses Pokémon. La contemplation de tels exploits, à nouveau égalée par-delà l'espace et le temps, éveille joie en moi. Regarde la joie en moi. Tu la vois, n'est-ce pas? Je ne regrette pas de t'avoir appelé dans ce monde. Je t'offre ma bénédiction. Capture-moi, à toi et à celui que tu vas devenir, mais aussi à l'univers dans lequel tu vas vivre. Reçois cette part de moi-même. Puisses-tu me montrer ton monde, tandis que je serai à tes côtés. Marcellus vous offre la plaque légende. Une tablette en pierre imprégnée d'une puissance suprême. Lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon, celui-ci obtient les pouvoirs de n'importe quel type. C'est gratuit. C'est... Ok. Le Pokémon vénéré comme une divinité, c'est fait. Bon, est-ce que je peux choisir la bolle dans laquelle je te capture ou pas du tout? Comment ça marche? Après, du coup, il nous donne une part de lui-même. Donc finalement, en fait, ouais, il se fait une copie de lui-même. D'où le potentiel Arceus Shiny. J'imagine. Ok. Mais il est où? Il est où, ce con? Il est marrant, mais il est où, ce con? Les Arby... Ah oui, mais Shiny, hein, voilà. Voilà, il est où Ouais, non, mais il est là, mon premier Shiny. J'allais dire, il est où, mon premier Shiny? Bah oui, il est là. Mais après, voilà, j'ai eu la table Basikea. Du coup, je lui ai donné un nom de table Basikea. Enfin, je suis pas sûr que ce soit un nom de table Basikea, mais voilà. Bon, le Ponyta de l'émission, un Machopper... Ah oui, bah il faut que je renomme Machopper. Je l'ai croisé il y a pas longtemps, mais... Croisé au pif, comme ça, donc... Faut que je vois. Mais je pense savoir comment je vais l'appeler, parce que bon, je l'ai croisé, il a flex un peu, donc voilà. Bon. Mais il est où Arceus? Il est où Dieu? Il faudrait que je range ces boîtes. Hein. Ou il faudrait que je fasse juste l'outil recherche. Oh, il est là. Du coup, il est dans une Pokéball. Il est discret, ouais. Bon, du coup, je suis en train de faire un living dex, hein, quasiment. Bon, il est là, normalement, ouais. Voilà. Mais bon, il y a Scorvol qui devrait être là-bas. Il y a certains Pokémon, voilà, que j'ai enlevé exprès pour ça. Mais bon. Ok, juste, on en est... Ça donne quoi, niveau mission de base, là? Il en est où, niveau mission Arceus? Comment ça, il n'est pas considéré comme attrapé? Il est où, mon charme chroma? Voilà. Ah bah c'est bon. Ouais, bon, après, voilà, il y a les formes d'Arceus. Ah, il est stylé, quand même. Hein. C'est quand même stylé, les différents coloris. Bénédiction d'Arceus reçue. Ah oui, d'accord, c'est... Ok. Il n'y a pas de mission à faire avec lui. Ah bah, moi je voulais faire les missions d'Arceus pour finir. Serait-ce possible? Ah, ne me dis pas que... Nous avons enfin réussi! Notre Pokédex est complet, c'est incroyable! Ah, j'en reviens pas! Mon rêve le plus cher est devenu réalité!
Je pourrai jamais assez te remercier pour les efforts que t'as fournis. Nous allons pouvoir l'annoncer à tout le monde au village. Je suis impatient de voir leur tête. Retrouve-moi au laboratoire quand tu seras prêt. Et que vas-tu faire maintenant? Ben retourne-moi au village. Attends. Mon charme chroma. Ouais. Tu vas grandir la taille de ta sacoche. Ouais. Bon, toi, là. Ah, te voilà, fantastique. Je vais pouvoir faire ma grande annonce à tout le monde. Incroyable. Hello à tous. Je vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux. J'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Alors je vous demande de me prêter l'oreille quelques instants. Aujourd'hui est un grand jour, l'aboutissement de beaucoup d'efforts et la réalisation de mon plus grand rêve. En effet, la création du Pokédex, l'aspiration profonde du corps des chercheurs, est enfin... terminée ! C'est vrai ? Rien de tout cela n'aurait été possible sans tout le travail, que dis-je, les prouesses constantes de notre cher Blue. De son combat contre Ashekater, le roi de la forêt, jusqu'à ses batailles contre Dialga et Palkia au sommet du Mont Couronné, il s'est adonné à ses recherches sans relâche, au mépris de dangers devant lesquels n'importe qui d'autre aurait pris ses jambes à son cou. L'achèvement du Pokédex n'est pas seulement une réussite, c'est un véritable exploit. Blue. Malgré tout, une chose n'a pas changé, tu restes ce mystérieux inconnu tombé du ciel. Quel enco... Mais putain. Ah, jusqu'à la fin, ça par contre, on te la rappelle bien. J'ignore si tes actions ont été motivées par ta simple curiosité ou par une réelle envie d'aider notre village. Mais tu nous as été une aide précieuse et j'en t'en suis sincèrement reconnaissant. Ah, merci, Cornier. Et peut-être pour moi, temps pour moi de suivre les enseignements du professeur, afin d'en apprendre plus sur les Pokémon. Celle-là serait tout à fait capable de me remplacer au poste de dirigeant du groupe. Bon travail. Prends ce charme chroma. Ah merde. Ah c'est elle qui te le... Toi je pensais que ce serait le prof. Non, c'est... Tiens, allez, vas-y, c'est bon. Un mystérieux charme scintillant qui facilite la rencontre avec les Pokémon chromatiques. Yes! Yes! La fête organisée en l'honneur des exploits de Blue et du reste du corps des chercheurs dura ainsi jusqu'au petit matin. Ben voilà! Le charme chroma! Toutes ces aventures qu'on n'a pas vécues ensemble le lendemain! Mais je pense que vraiment c'est mieux, hein, parce que vraiment. Voilà, j'ai mis 50. Non, peut-être moins, je crois que j'ai mis 30 ou 40 heures pour faire la fin du jeu, entre guillemets. Puis après, j'ai mis 20 heures de plus pour finir la quête principale, on va dire. Puis bon, sans compter là, ce qu'on vient de faire là. On dirait que tout le monde a passé une bonne soirée hier. C'était vraiment une belle fête. Mais au fond, je pense que ce n'est que le début de nos recherches sur les Pokémon. J'aimerais aussi mettre au point de nouvelles méthodes pour confectionner des objets. Quelles que soient nos recherches, j'espère que nous aurons la chance de collaborer encore. Mmh. D'accord, Lucia. Est-ce que toi, t'es là pour annoncer un DLC ou une connerie du genre, ou... il y aura d'autres quêtes? Bon, là, par exemple, si je fais ça... Ouais, hein, pas de mind game. Mais en tout cas, voilà. Pokédex 242 sur 242 sur 242. Et ça, c'est beau. Ce full level 10, là, il est où, mon charme chroma? Il est là. Il est là. C'est beau. Bah voilà. Du coup, on est bon. Je sais pas si je voulais faire un autre truc. Ah non, je l'ai pas mis dans mon équipe, Arceus. Attendez, je veux quand même voir Arceus. Salut Régigas. Ça va dans les prés? Ça se passe bien? Ça se passe bien la vie dans les prés? Dans les pâturages?
Aïe aïe aïe. Bah mais il est posé, hein. Il est posé, Régigigas. Bon, donc Arceus, on va remplacer par... on va remplacer par Scorvol. Voilà. D'ailleurs, je vais même ranger... hop, on va ranger certains Pokémon, là. Okay. Bon, après, ouais, non, voilà. Bah, Cerebou. Cerebou, ça a été mon enfer. Ça a été le Pokémon que j'ai galéré à choper. J'en ai eu qu'un. Alors, du coup, comment ça se passe? Ça, je peux... Voilà. Ce n'est pas le moment de faire ça. Hein. En vrai, l'apparition massive de Grignot, je veux bien, donc... Donc, on va se poser là, et moi, comme ça, moi, je pourrais faire mon invasion de Grignot tranquille. Non. Arceus a changé de forme. Oh, t'as pas l'air, mais... Ouais, il les a que d'un côté, ces émeraudes. C'est la première fois que j'ai un Arceus de manière... Enfin... Ah, je sais même pas si c'est même pas la première fois que j'ai un Arceus tout court, d'ailleurs. Et bon, si j'ai eu un Arceus, à mon avis, c'est un Arceus que j'ai réussi à avoir dans un échange et qui devait pas être forcément très legit de base, mais c'est le voilà, c'est le premier Arceus que j'ai vraiment. C'est quand même beau. Aïe aïe aïe. Je sais plus, il faudra que je regarde si j'ai déjà un Arceus. Alors juste, tu permets, hein. Ah là, du coup, c'est acier. Qui est super efficace, hein, donc... Allez, petit style puissant. Ah. Ah oui, d'accord. Ok. Effet de la plaque, into style puissant. Ah oui, bah c'est l'objet qui tenait pendant le combat. Ok. Ok, ok. Bah écoutez. Voilà, hein, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que moi je voulais vous montrer là-dessus. Je voulais juste... bon bah... On a fait le début, on fait la fin. On les a tous rencontrés. J'ai le charme chroma, donc moi je suis content. Pour faire ma meilleure vie à farmer des shiny sur ce jeu. Je sais pas si on fera des vidéos de shiny hunting ou pas. Je suis pas convaincu que ce soit en vidéo, que ce soit le meilleur format, mais bon, voilà. Toujours est-il que j'espère que ça vous aura plu. Ok. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Blue. Merci Arceus. Bye bye.